yaptı. Son bandeau. Allez, allez. Ah bah, il va faire l'entraînement, vas-y, juste pour le fusil et tout ça. Bienvenue à votre première phase d'entraînement, recrue. Vous apprendrez ici les bases du combat nécessaire à la lutte contre l'hydre Blackwood. Il faut avant tout que vous sachiez vous déplacer. Un soldat immobile est un soldat mort. Ne l'oubliez jamais. Descendez de cet hélicoptère. Le sprint vous permet d'accélérer pendant quelques instants. Sprintez jusqu'au point de contrôle. Vous pouvez sauter par-dessus certains obstacles. Il est possible d'escalader certains murs. Escaladez ce mur pour continuer. Accroupi, vous vous déplacez plus lentement, mais pouvez alors passer sous certains obstacles. Cette rambarde est trop haute, mais vous pouvez vous élancer pour sauter par-dessus. Élancez-vous. Chaque soldat a une arme principale, dont il se sert pour attaquer l'ennemi. Essayez de toucher les cibles. Sur vos munitions. À présent, avancez jusqu'au point de contrôle. Vous pouvez viser pour rendre vos tirs plus précis et donc plus meurtriers. Ne venez pas vous plaindre de rater votre cible si vous tirez sans viser. Essayez de toucher les cibles en visant. La plupart des armes peuvent être personnalisées avec des accessoires qui changent leur fonctionnalité et donc vos capacités au combat. Ajoutez une lunette à votre fusil. Les lunettes améliorent la précision à longue portée. Touchez les cibles en visant avec votre lunette. Continuez. Merde. Ravitaillez votre équipier en munitions pour continuer. Tous avec moi, allez! Ravitaillez votre équipier en munitions pour continuer. Je suis à court de munitions.
Ravitaillez votre équipier en munitions pour continuer. Ouais, saoule pas, toi. Salut, H. Chier, je connais pas les boutons, moi. Alors, LB. RT. Ravitaillez votre équipier en munitions pour continuer. Faites le plein de munitions. Voilà. Vous pouvez escalader de très hauts murs avec l'aide de vos équipes. Grimper avec l'aide d'un équipier. Voilà, fermez-toi. Vous pouvez aussi aider vos équipiers à escalader des parois. Aidez votre équipier à passer ce mur. Quoi de neuf, Rage, qu'est-ce que tu racontes ? Il existe 4 classes de soldats. Les classes fusiliers et snipers sont disponibles dès maintenant. Tandis que les classes ingénieurs et infirmiers sont débloquées à mesure que vous gagnez en expérience. Chaque classe a des compétences et équipements spécifiques. Passez à la classe sniper. Attends une petite seconde. Est l'arme la plus meurtrière à longue distance. Très précise, grâce au puissant zoom de sa lunette, elle inflige de terribles dégâts. Touchez toutes les cibles avec votre fusil de précision. Touchez toutes les cibles avec votre fusil de précision. Touchez toutes les cibles avec votre fusil de précision. Toutes les classes peuvent ramasser les armes des ennemis vaincus ou celles placées sur le champ de bataille. Ramassez une arme. Dans certaines missions, vous disposerez d'un lance-roquette. C'est votre seul moyen de détruire des véhicules. Touchez une cible avec le lance-roquette. Beau travail, soldat. Je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Ah, ok, bah c'est cool, c'est incroyable. Je verrai un jour quand j'aurai PS5, je le testerai. D'abord, je dois tous les faire, les Ratchet et Clank. Ah, cool. Salut Ice.
Tiens, pourquoi il y a différents logos? Mon logo Xbox, il y a d'autres logos manettes, ne me dis pas que le jeu est devenu crossplay. Je me renseigne si c'est devenu crossplay Warface. L'Afrique est déchirée entre la pauvreté de ses peuples et la richesse de ses terres. Contrairement aux anciennes puissances coloniales, Blackwood ne prétend même pas se préoccuper du sort des habitants. L'organisation se contente de dépouiller chaque pays et abandonne ses habitants au ravage de la faim. Il faut les chasser du continent. Ce sont des troupes régulières de Blackwood. Neutralisez-les et restez à couvert quand vous rechargez. Ah, merci pour ton follower, You Sifo, bienvenue. Les miliciens attaquent uniquement à courte portée. Éliminez-les avant qu'ils ne s'approchent trop. Point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminés. Effectué. Il faut empêcher ces lance-roquettes de décimer toute l'équipe. Dispersez-vous dès que vous en apercevez un. Ravitaillement effectué. Réanimation terminée.
Les commandos sont les troupes d'élite de Blackwood. S'ils vous éblouissent, mettez-vous aussitôt à couvert et laissez l'un de vos coéquipiers s'en charger. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. Requête. Ah, merci Waral pour ton follow. Bienvenue. Salut. Rejoignez l'hélico pour évacuation. Le mitrailleur est à terre. Yo, Égyptien, quand tu vas? C'est bon pour aujourd'hui. Attends, profitez-en pour vous reposer un peu. Merci d'être follow. Ouais. Qu'est-ce que ça? Ah. Ah ouais, toutes les apparences. Juste voir ce qu'il y a comme apparence. Ah, pas mal, il fait samouraï lui.
Oh. Il fait une chaleur, putain. Salut à Harley Quinn. Merci du follow. Ça va, Quake? Sont désormais la propriété de Blackwood et leur matériau génétique va venir alimenter l'industrie biochimique de l'organisation. En bref, les vies des habitants lui appartiennent. C'est inacceptable. Ouais, ça va. Nous devons purger les favelas de toute unité de Blackwood. De Blackwood dans le secteur. Votre mission consiste à éliminer le plus d'unités ennemies possible. Oh, tranquille. Tranquille. Je me fais avoir comme une merde, je suis sérieux. Allons-y. Artilleur repéré.
point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminés. Travail, mais c'est pas terminé. Je prépare le briefing de la mission suivante. On a très peu de marge de manœuvre pour filer d'ici. L'ennemi a un mécha de combat perfectionné. Utilisez des roquettes pour l'éliminer. Renversez ce mécha et détruisez son réacteur. Détruisez le réacteur sur la tête du mécha. C'est moi qui veux buter. Aïe. Ouais, t'as vu ça? Ouais, bordel. Renversez ce méca et détruisez son réacteur. Et ben voilà, on est tous morts, échec de la mission.
Les luxuriantes jungles africaines sont victimes d'une déforestation massive due à la cupidité de Blackwood. Une fois tout l'or, le pétrole et l'aluminium volés, il ne restera plus aux Africains que leurs yeux pour pleurer. La survie même de ce continent est menacée. Il faut éradiquer impitoyablement toutes les activités de Blackwood. Les données satellites indiquent la présence d'importantes forces de Blackwood dans le secteur. Votre mission consiste à éliminer le plus d'unités ennemies possible. Déjà, pour une munition. Super, faut que je change les piles de ma manette. Oh. Munitions, santé et blindage restaurés. Équipier réanimé. Je
santé et blindage restauré. Équipier réanimé. Voilà. Ouais, voilà, j'ai changé mes piles. Ah. Allez, c'est parti. Ouf. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. C'est par là. Hein. Ah, est-ce que c'est par là? Ouais. Coup s'il vous plaît. Merci. Munitions, santé et blindage restauré. Équipier réanimé. Allons-y.
aller à l'hélico. Dans 20 secondes, le compte à rebours est lancé. On va frapper le cœur des opérations de Blackwood. Un site de forage dont le minerai est revendu ou sert à fabriquer des armes. Entrez dans les galeries et soyez prudents. Selon nos renseignements, le site est très bien défendu. S'est massacré. Oh putain, on s'est tous se massacré. Super. On s'est tous se massacré. Ok. Ouais, on peut dire que je me débrouille, ouais. Classe.
Secteur Foxtrot Sierra, dans l'océan Pacifique. L'ennemi a déployé une arme non identifiée. Code A2AD. On s'est canardé. Poussez, on en prend plein la gueule. Général Wharton, le canon de Blackwood nous empêche de déployer nos troupes. Nous allons mettre fin à l'opération. Vega 5, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez été abandonné. Nous avons été contraints de battre en retraite. Navré pour vos hommes, général, mais nous sommes en guerre. Votre général ne lèvera pas le petit doigt pour vous. Omega Black, préparez les prisonniers, on évacue les lieux et ils viennent avec nous. Battre en retraite? J'ai un meilleur plan, amiral. On avait récupéré un sous-marin pendant l'opération Iceberg. On va l'utiliser pour amener des agents Warface jusqu'à l'arme. On prendra le contrôle du champ de bataille en un rien de temps. Sigma 3, emparez-vous de l'arme et tirez sur tout ce qui tente de quitter l'île. Ouais. Ça c'est de l'arme, putain. Attention, grenade! Chant de l'arme! Ouais ouais, c'est un free to play. Et sur toutes les plateformes, PC, Xbox, PS et même Switch. Ah ouais, 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 bah essaye là, hein, si on pourra jouer ensemble. Toi, t'as quelle plateforme, toi, déjà, Folco? La base navale mobile Hydra se trouve sous vos pieds, Sigma 3. Emparez-vous de son arsenal. Ah, ok. Non, je vais pas télécharger sur PC. Ah, ah ouais, je prends ça avec toi. Canon à oui, bon. Et si on faisait un petit coucou aux troupes de Blackwood qui tentent d'évacuer l'île en hélicoptère? Ah cool. Ok. Et dis-moi, qu'est-ce que comme ça t'es aussi sur Xbox? Quelle puissance de feu. Ce canon ne attends, fait vraiment pas le jeu est crossplay donc. L'ennemi va essayer de reprendre le contrôle putain de l'arme en s'attaquant au terminal. Tu m'as, on a seulement tu m'as de quoi le truc, réparer même pas qui fois. Qui alors qui était crossplay. À tout prix. Bon. Bah ouais, je vois des manettes mais je vois pas la plateforme moi. D'accord. Depuis quand il est cosplay? Ah bah dis donc. D'accord. Si Folgo il est cosplay mais pas pour le pas pour PC, que sur les consoles. Je crois pas qu'ils vont mettre à mon avis. S'il n'y a pas de crossplay avec PC, à mon avis, parce que peut-être qu'il n'y aura pas, étant donné que c'est plus du clavier souris. La cale en est pleine à craquer. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué.
c'est cool. Je passe par où moi? Ah par là. Voilà. T'es toujours là? Ouais, j'en ai pas. Il va falloir. Ah, faut pas dire ça. Munitions, santé et blindage restaurés. Bon, là, je joue sur PC, mais j'aime bien, ça me dérange pas si je joue avec Crosspad, je joue avec des joueurs console aussi. Hein. De la base est immergée. Je parie que des centaines de soldats de Blackwood vous y attendent. Si seulement on pouvait tout faire sauter, les poissons s'en mettraient plein la panse. Ah ok, t'as quoi comme console? Non non, excuse-moi, je suis en live. Attends, je stream sur Twitch. Ouais. Trong est en live, tout associé. Dis-moi, vu que bah, t'es sur Switch, dis-moi une question, tu as un casque spécial pour parler en vocal? Moi aussi j'ai la Switch. C'est pour ça. Ah oui, t'as c'est Rafia, ouais, je t'ai trouvé. Attends, je peux pas t'envoyer une demande d'amis, attends. Pas moi d'envoyer une demande d'amis là dans ce jeu. Jetpack repéré. Ah bah, c'est vrai. Levez ouais. Les yeux et restez sur vos gardes. Point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminée. Attends. Et tu sais comment on fait pour envoyer des demandes d'amis? Le faire. Et où, attends que je te j'ai pas par le jeu, j'ai demandé par le jeu. Ah. C'est vrai que c'est bien. C'est bien mettre du crossplay, mais s'il y a pas mal de se demander entre amis. Ah oui, chat vocal. Je te vois. D'accord. Crossplay d'en parler sur le crossplay disponible sur console. Ah ouais, ah ouais, joueur PSK, PlayStation et 4, Xbox One et Switch pour qu'ils aient joué ensemble. Ah ouais, c'est que le crossplay sur console, ça plus rien. Ah bon, on est mort. Bon. Ah, t'es toujours là? Il n'y a pas un moyen devant une demande d'amis là? Oh.
Ah, peut-être comme ça, non. Bien, je m'en fous, mais je veux voir comment on fait pour envoyer une demande d'amis. Putain, mais t'es sérieux. Ah. Ah, il est tout. Merde, il est parti, je sais même pas s'il est parti. Merci ton follower Odex. Est-ce que c'est peut-être toi que j'ai joué avec? Ah ok, donc c'est pas toi. Bah des. Putain, mais c'est bon, ils mettent un crossplay, mais on peut même pas envoyer des demandes d'amis sur une autre plateforme. Ouais. Bienvenue dans mon live, quand même. Il nous fait un crossplay. Ouais, ça va, et toi? Ok, cool. Bienvenue à Tchernobyl, les gars. Je me souviens du jour de la catastrophe comme si c'était hier. Aujourd'hui, vous allez être confrontés aux radiations, et bien sûr, aux forces de Blackwood. Votre mission, découvrir ce qu'ils mijotent. Bon, les gars, je vais pas vous cacher qu'on risque d'avoir des problèmes de communication pendant l'opération. Ne vous étonnez pas s'il y a de la friture sur la ligne. Putain, c'est quoi ça? Dors vite, les mecs, hein. Point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminés. Mais qu'est-ce qu'ils font à quatre pattes, les cyborgs de Blackwood? Je sais pas ce qu'ils cherchent, mais je compte sur vous pour le découvrir. Oh. Regardez-moi ces champignons. Je n'avais jamais rien vu de pareil.
Costello à l'étage me disent que les cyborgs sont hors de combat. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'Oberon se prépare sûrement à sortir l'artillerie lourde. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. Radiation. Que ce dispositif est une cible prioritaire. Récupérez-le pour que nos équipes puissent l'étudier. Point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminés.
cette substance verte doit avoir un lien avec Tchernobyl. On ignore encore lequel, mais tout laisse à penser qu'elle est radioactive. Et essentielle au plan de Blackwood ici. Munitions, santé et blindage restaurés. Équipiers réanimés. Pour se ravitailler. Mettez-vous en position. Il sera vite de retour. Munitions, santé et blindage restaurés. Équipier réanimé.
Blackwood a déployé une sorte de forteresse volante surnommée la Mante. On ne sait pas grand-chose à son sujet, mais je suis prêt à parier qu'elle est équipée de tout un arsenal de pointe. Complexe de bunker, les gars. Blackwood nous cache clairement un truc, et ils sont prêts à tout pour protéger leur petit secret. Ces tourelles sont protégées par un champ de force. Utilisez vos roquettes. Vous réussirez peut-être à les désactiver pendant quelques secondes. Réanimation terminée. Allez, piratez ces terminaux. Il faut qu'on sache ce qui se passe ici. Bien joué. Le transfert des données est en cours. Je vous tiens au courant dès qu'on aura décrypté tout ça. Cyberzombies décérébrés. Les données que j'ai sous les yeux sont alarmantes. Ces machins sont quasiment invincibles.
Attaquez ce cyborg à distance. Bon, les Cèdes ont un point faible. Si vous réussissez à les mettre à terre à distance, il doit y avoir moyen de les achever au couteau. Alors là, chapeau bas. Vous avez éliminé un Ced. Point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminés. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. Se rassemble à la tour. J'ai comme l'impression qu'ils vous attendent de pied ferme. On a décodé certains fichiers du labo. Blackwood a baptisé la substance verte Cedrium. On sait déjà que les nouveaux cyborgs sont des Ced. Alors en toute logique, le Cedrium doit entrer dans leur fabrication. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. Sont recouverts d'épaisses couches de Cedrium. Ce n'est pas du boulot d'amateur. Non. On a affaire à une vaste opération d'extraction dans les nappes profondes. Empoisonner l'Europe tout entière n'a pas l'air de les contrarier plus que ça. Jaillir de ce trou béant. Ne vous en approchez sous aucun prétexte. Même les vapeurs qui s'en dégagent peuvent être fatales.
meurs, meurs. Je suis à pompe ces gars-là. Je suis complètement à sec. Il me faut des munitions. Attends, attends. C'est bon. Merde, sniper. Ah, merci pour ton follower, Coma TV. J'avais ton pseudo. Ça va et toi? Bah bon appétit hein. C'est quelle heure? Ah ouais. Toi aussi que je pense à me faire à manger aussi peut-être après. Je suis à sec. Filez-moi des munitions. Je suis à sec. Ah ouais ouais toi. Tiens. Et toi. T'en veux toi aussi? Allez hop. Wow. Tout ce cédrium semble s'écouler dans la tour. Il faut absolument qu'on prenne le contrôle du bâtiment. Point de contrôle. Ravitaillement et réanimation terminés. Ouais, je crois que je vais faire un sprint jusqu'à... jusqu'à 8h30 et après je vais aller manger. Oh putain, le bordel, c'est trop vintage. Oh, des zombies. Oh, des zombies. Ravitaillement
allez hop, et un tank de moins. Visez-moi cet engin. Si sa taille est proportionnelle au séisme qu'il peut causer, on est dans un sacré pétrin. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. C'est pas vrai. Regardez là, en bas. De l'autre côté de la vitre. Vous vous souvenez de l'arme sismique que Blackwood avait construite dans le volcan? Devinez quoi? Ils vont la ressortir. Quand le trou sera assez profond, ils pourront causer des dégâts inimaginables. Il faut neutraliser cette tour. Tout le reste est secondaire. Point de contrôle atteint. Ravitaillement effectué. Les renforts sont en route. Utilisez le terminal pour activer l'ascenseur. Merde. Il est absent. L'ascenseur qui descend. Enfin.
Les gars, vous vous souvenez des intellos dont je vous avais parlé? Figurez-vous qu'ils ont eu une idée qui pourrait changer la donne. En modifiant l'amplitude de la foreuse sismique, on doit pouvoir faire s'effondrer le bâtiment. Accédez au panneau de contrôle.
Mais merde! Oh, les pieds de l'arme, on est dans le caca. On est dans le caca! C'est, il est mort. Il est mort. Ouais, bah faudrait bien faire quelques jours où on y passe, hein. J'ai gagné, merde. Bon, je vais arrêter le live là, mais avant tout ça, je vais faire un petit raid chez quelqu'un avant d'arrêter mon live officiellement. Merci au tout nouveau. Voilà. Merci à tous aux nouveaux qui se sont follow à ma chaîne. C'était Trong et je vous dis très bonne soirée tout le monde. Salut.